Parashat Balak, où nous trouvons les prophéties les plus extraordinaires concernant les temps messianiques. Nos maîtres disent que de ces brachot, de ces bénédictions qui sortent de la bouche de Bilaam, on peut se rendre compte de la force des malédictions qu'il voulait proférer. Puisque c'est Dieu qui a inversé les malédictions en brachot. Parmi ces bénédictions, ces prédictions de la venue de Mashiach, le pasuk dit par la bouche de Bilaam, Darach Kochav mi Yaakov, Vekam Shevet mi Israël. Une étoile va filer dans le ciel du sein de Yaakov et un sceptre d'Israël. Ça se rapporte à qui? Le Rambam, Targum Onkelos, dit qu'il s'agit de Mashiach ben David. Pourtant, lorsqu'on cherche le commentaire de ce même verset dans le Talmud de Jérusalem, le Yerushalmi dit que ça se rapporte à chaque juif. Darach Kochav mi Yaakov, Vekam Shevet mi Israël. C'est un passage qui décrit la force du juif. Alors comment concilier les deux explications? Le Maor Enaim de Rabbi Nachum de Tchernobyl, élève du Maggid de Mezritch, qui fut aussi un certain temps élève du Baal Shem Tov, rapporte au nom du Baal Shem Tov que chez chaque juif, il y a une partie de l'âme, de la Neshama, de Mashiach. Donc, pas de contradiction entre les deux commentaires. Le fait que ce pasouk se rapporte et à chaque juif et à Mashiach lui-même vont de pair, les deux explications vont de pair, puisque chez chaque juif, il y a un reflet de Mashiach. Ce reflet de Mashiach est quelque chose de concret, de dévoilé dans la vie de chacun. C'est bien ce qu'exprime le verset. Darach, darach, ça veut dire filet, comme une étoile, comme une comète que l'on voit. Vekam shevet, se dresser. C'est aussi le potentiel messianique qui se dévoile chez le juif. Et comment fait-on pour révéler ce potentiel? Pour vivre avec Mashiach, pour diffuser la puissance de Mashiach autour de nous, la méthode n'a jamais changé depuis 3000 ans, plus de 3300 ans, par Torah et Mitzvot. Ce sont la Torah et les Mitzvot qui nous permettent de sanctifier le monde, de le purifier, et chasser petit à petit l'obscurité qui s'y trouve. Et qui va faire que, lorsque Mashiach viendra, le monde verra la présence de Dieu. Mais pour ça, il faut un travail au préalable. Ce travail consiste dans le fait de chasser l'obscurité et le mensonge. Et on est là pour ça. Nous, le peuple juif, c'est notre rôle. Mais attention, Torah Mitzvot, et de quelle manière? Torah Mitzvot avec annulation à Dieu. Non pas pour son propre ego. Parce que de cette manière, la Torah et les mitzvot qu'on accomplit sont emprisonnés par les forces du mal, par les clipotes. Mais Torah et mitzvot, les shem shamayim, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est à ce moment-là que tshuva et ma'asim tovim, que les ma'asim, les actions que l'on accomplit, sont tovim, éclairent le monde. Pour ça, il faut la tshuva, l'annulation à Dieu. Tout ça, c'est très beau. C'est ce que le verset nous prédit, nous donne comme force, mais comment y arriver? On est dans un monde très dur, et très fort, très puissant, qui a été créé d'ailleurs avant même le monde, avant même l'homme, puisque l'homme a été créé à la fin. Le monde, pendant les six jours de la création, a précédé l'homme. Et précédé dans le temps, c'est quelque part précédé au niveau spirituel. De même, le Yetzer Hara est présent chez nous dès la naissance, pour un garçon jusqu'à l'âge de 13 ans, pour une fille jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est alors que intervient le Yetzer Tov et la Neshama. Et là aussi, il y a une prédominance du mal par rapport au bien. Alors, comment est-ce qu'on arrive à vaincre ce mal qui se retrouve dans notre personne, dans notre ego? Par le verset qui précède celui qu'on a cité. Qui me roche tsurim er enu,
Omigvaot Ashurim, Roche Tsurim, la source même du roc, c'est Dieu. Hashem Tsuri Vegoali, Dieu est mon roc. La Chassidut explique, Tsurim, c'est la Neshama qui vient de l'essence même de Dieu. Parce que n'oublions pas que tout ce monde matériel, avec toute cette puissance, n'a été créé que par la parole de Dieu. Bidvar Hashem Shamaim Naasu. Ouvroir Bivu Kol Tseva'am. La parole. La parole est véhiculée par une force superficielle chez l'être humain. C'est la raison pour laquelle on peut parler longtemps, indéfiniment. Alors que la Neshama, elle, provient du souffle qui symbolise la pensée de Dieu. Et quel niveau de la pensée? Celle qui est reliée à la partie intime de Kadosh Baruch. C'est de là qu'on provient. Qui me rouge tsuri marénon. Et Bilham le voit, que le juif provient, son âme, sa neshama, provient, émane de la pensée de Kadosh Baruch, du roc, de le roc étant la source du feu. Vous le savez, pour faire sortir du feu, on gratte deux pierres. Ce sont ces pierres tsour qui sont symbolisées par le tsour. Notre force, on la puise de l'essence de Dieu, du niveau de la pensée d'Akadosh Baruch, de la pinyut, de la profondeur. Et c'est de cette manière, en cherchant la pinyut dans ce monde, que ce soit au niveau de la Torah, pinyut à Torah, les profondeurs de la Torah, la chassidut, au niveau de notre âme, de notre être, chercher à engager la profondeur de nous-mêmes. Dans le monde, ne pas s'arrêter au côté superficiel, mais se rattacher au côté profond du monde. Et bien c'est de cette manière, Meroch Tsurimar Eno, qu'on arrive à dévoiler Darar Kochav Miyakov, le Mashiach qui est en nous, et lorsque chaque juif responsable va dévoiler le Mashiach qui est en lui, on arrive à Mashiach Ben David.